Bon, nous voilà repartis pour cette suite de l'épreuve, 14e partie de l'épreuve, le quart 2. Alors, il y a plusieurs choses que je dois vous dire. Je pense avoir trouvé l'endroit où c'est. Après avoir déambulé pendant le château, j'ai fait... ouais, je suis allé à gauche, après je suis remonté. J'avais été acheter le sac avec... le sac, on peut le prendre, hein, le sac à dos qui permet de transporter plusieurs objets. C'est con, j'y suis pas retourné là. Mais c'est relativement loin, donc... Donc là, vu que j'ai reload, on l'a pas, hein, donc faudrait le refaire. Je suis retourné dans le hall des 4 saisons et j'ai essayé de me farcir la bulle d'eau géante. Je lui ai balancé mon attaque holy niveau 4. Ça lui faisait plein d'attaques à 64 points de dégâts. Et après, je lui ai fait le niveau 3, là, donc Thousand Blade. Ça fait 128, c'est deux fois plus puissant. Mais peut-être qu'il y a moins de coups, je sais pas. Mais je lui ai fait des dégâts monstrueux et ça a pas suffi. J'ai pas réussi à le tuer. Donc je me demande vraiment si on peut le tuer. Autre chose, je suis allé dans la bibliothèque pour aller lire tous les livres. Et il y en a un qui m'a sauté aux yeux. C'est celui avec les doubles. Donc ils sont dans la galerie des horreurs. Là où il y a les mains, les yeux qui nous sautent dessus, là. Qui sortent des miroirs, tout ça. Et... des miroirs, lol. Et là où ça parle de nos doubles, il a dit que il essayait de le tuer avec son épée et ça marchait pas, ça lui faisait pas de dégâts et donc il l'a perdu. Mais après il a trouvé une autre épée qui ressemblait à l'arme de sa famille ou à son arme et là il a pu le tuer. Et je me demande si ce serait pas l'épée le Card, donc l'épée dorée là, qui ressemble à l'arme de votre famille. Donc si on a des difficultés, il faudra essayer cette épée. Donc voilà. Et donc l'endroit où on va aller maintenant là, j'étais censé vous parler tout ça pendant le chemin, mais là vu que je me suis mis en pause, ça sert à rien. Je crois que c'est tout, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Oui, j'ai pas regardé Necromancer sur Google, là, on verra ça plus tard. Apparemment, on n'aura pas besoin de le faire. C'est juste en dessous, au-dessus, la salle qui est au-dessus. Du point de sauvegarde le plus à droite, voilà, dans le hall des 4 saisons. Donc on va y aller à pied. Et c'était une salle que je connaissais pas, hein, et ça continuait. Il y avait encore des bulles d'eau, des squelettes dorés. Ah putain, il y a ça à traverser d'abord. J'espère qu'on peut y accéder par là. Hein, parce que c'est pas par là que je suis allé. Donc voilà, c'est ça me rassure. J'espère que c'est bien ça, hein, et que c'est pas un truc qu'on connaissait déjà, sinon ça va me ridiculiser. Tu m'as ridiculisé! Voilà, c'est ça le hall des horreurs, hein. La galerie des horreurs, c'est là, hein, normalement. Et je me rappelle pas d'avoir vu d'endroits avec des clones. Hein. C'est ça qui me semble bizarre, quand même. Peut-être que c'est ça, les mobs invisibles. Alors, voyons voir, le hall des 4 saisons. Voilà, c'est par là. Hein. Plus que quelques salles à traverser et on y est. Ça se fait un moment, déjà. Voilà, le truc ne réapparaît pas. Hein. Le tableau qui tombe, là. Voilà, il y avait eux. Et donc voilà, on est dans le hall des 4 saisons. Splendide. Donc ouais, c'est... Oui, je m'en souvenais plus. Je croyais qu'il n'y avait qu'une seule salle dans le hall des 4 saisons qui permettait de... Peu importe que ce soit l'automne, l'hiver. Hein. On y est, hein, c'est ici, je crois. Alors... Putain, mais... Oh, putain. C'est quand tu veux. Je vais essayer d'atterrir sur la plateforme de gauche. Voilà, bien joué. Voilà, c'est là. C'est juste ici. C'est le... J'avais fait comme ça. J'étais arrivé d'en haut. Et voilà, c'est ici. Il fallait le triple saut pour pouvoir atterrir à cette petite entrée. C'était l'automne tout à l'heure aussi. Et voilà, à partir de maintenant, c'est de la découverte. On ne connaît pas. Je m'étais avancé jusque là pour voir si c'était bien, bel et bien une salle que je connaissais pas. Et cette salle est... Oh bien, merci. Cette salle est relativement grande. On va essayer de voir ce qui nous attend ici. Regardez, j'ouvre la map, et voilà. Cette salle-là, on ne la connaissait pas. Hein. Ça a été découverte depuis que j'y suis entré. Donc, eh bien, en parlant d'entrée, il n'y en a qu'une. C'est en bas à droite, pour continuer. Mais je me demande s'il n'y aurait pas des objets cachés. Parce que regardez, s'il y a une corde ici, c'est pas pour rien. Putain, vite. Splendide. Ah ah! Bien joué. Je suis pas né de la dernière pluie. Voilà, c'est l'automne, donc c'est normal qu'il pleuve. Oui, je me suis aussi équipé du... Ouais, mais là, je l'ai pas fait, là. Ouais, d'ailleurs, on va le refaire. Je m'étais équipé du... Voilà, de ça, là. Pour voir s'il n'y avait pas des murs. Parce que je pense qu'on les a déjà tous détruits. Hein. Pour voir
à quoi ça sert véritablement ce truc? Comment il nous l'indique? Les murs destructibles. Est-ce que ça brille? Est-ce que ça... Il y a un son qui retentit? Putain! Putain! Est-ce que... Je sais pas. J'ai aucune idée de... Ouais, bien joué, c'est vachement utile. Du rôle exact de ce truc, donc je pense que ce serait pas mal. Alors, vous voyez, là, je suis sûr qu'il y a quelque chose, là. Ici, là. Mais c'est évident qu'il y a un double dash en l'air. Je vais quand même essayer de l'atteindre. Mais putain. Mais bordel! Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? J'ai l'impression que les commandes répondent plus. Mon Dieu, ça répond plus! Remonte! Je vais me débarrasser de tous les ennemis, et il faut continuer par là. Voilà, c'est là la suite. Et ça se trouve, il y a un boss. Ah, tu vas pas me faire croire que là, il n'y a pas de... C'est pas un mur destructible, ça! Ah bah si, bah non, c'en est pas. Hein. Ça, ça avait tout du mur destructible. Allez, je m'acharne quelques secondes, de toute façon, on craint rien, on va pas perdre des points de vie ni rien. Oh putain, mais... Je suis sûr que je peux y aller, là. Qu'est-ce que... Oui, il s'avance quand... Oh putain, fais chier. Faut trouver le bon placement, hein, sur les escaliers. Putain, mais c'est pas possible, tu vas pas me faire croire que je peux pas y aller, là. Oh là là, mais il s'avance tout seul! Alors que je relâche les touches. Je relâche toutes les touches, hein, y a pas de problème. Hein. Mais qu'est-ce que... C'est mes croix qui restent... C'est la croix de direction qui reste enfoncée, là? C'est ma manette qui bug encore plus, là? Putain, mais c'est sûr qu'on peut... faire foutre, là. Putain, mais... Ah! Bon, on peut pas. On reviendra ici quand on aura le double dash en l'air, si jamais il existe. Oh, putain. Oh, c'est un boss, hein, c'est sûr. Nightmare plante 5000 points de vie! Ah ouais, quand même. Eh ben voilà. Ouah! Allez, bourrinos de la hache. Quoi? Mais je lui fais pas de dégâts! C'est l'œil qu'elle a à l'intérieur. Putain, faut attendre qu'elle s'ouvre. Ah! Je peux le détruire, ça, là? C'est l'œil qui est à l'intérieur de sa bouche, ce truc! Ah, merde, putain, on peut pas l'avoir beaucoup. Allez, je fais le Von Viltheim. C'est quoi, ça? Ok. Von Viltheim, c'est quoi, déjà, pour le Thunderstrike? C'est le numéro 1? Voilà. Est-ce que ça peut augmenter la puissance? Mais non, putain, mais c'est de la merde! Comment je pouvais prévoir que cette bouse allait sortir du sol, là? Justement là où je suis. Va falloir comprendre comment ça marche, hein, cette attaque. Oh non. Waouh. Heureusement, ça me donne immortel. Vite. Touche-le. Mais putain. Oh. Catastrophe, putain. De toute façon, comme d'hab, faut apprendre comment ça marche. Hein. Putain, mais c'est de la bouse, quoi. Ah ok, je peux plus le faire. Bien joué. Bon ben, go pour les croix. Hein. Mais étonnamment, il a perdu pas mal de points de vie, là, déjà. Bon, va falloir comprendre comment ces attaques fonctionnent. Ça, c'est de la bouse. C'est de la grosse merde, ce truc. Pour se faire toucher par ça, faut vraiment le vouloir. Ok, il fait changer le temps. Tiens. Oh, ha ! Poisoned, bien joué, quoi. Mais ça, c'est la tête chercheuse, cette merde, là. Et qu'est-ce qui se passe si je passe derrière lui? Ah ouais, mais il va m'écraser, là. Ah d'accord, il peut attaquer derrière lui, bien joué. De toute façon, c'est évident qu'on va se faire tuer comme d'hab. Son attaque la plus chiante, c'est de très loin, les lierres qui sortent du sol. Je sais pas comment il m'a touché, mais bon. Ses autres attaques, c'est de la merde. Bon, la mauvaise nouvelle du jour, c'est qu'on n'a pas, pas sauvegardé. Ah, c'est très con, d'ailleurs. Ah, putain, mais... Il y avait un point de sauvegarde juste à côté, je l'ai pas fait, quoi. Mais quel... Je l'ai pas utilisé, quel abruti, franchement. Je vais essayer de récupérer des cœurs, on en a besoin. Bon, déjà, je vais me mettre comme ça. Ouais. Vous savez quoi? Je vais faire plusieurs choses. Voilà. Trois trucs qui fait que je dois vous laisser là, malheureusement. Premièrement, on va faire le plein de cœur jusqu'à être à 90. Je vais le faire en off. Deuxièmement, je vais aller acheter le sac pour je vais m'équiper du truc, là, déjà. Ouais, mais ça va m'être utile contre le boss. Oui, on a bien vu qu'il n'y avait pas de mur destructible. Non, on s'en fout de ça. Voilà.
Je prends ça, je vais le garder pour voir ce à quoi ça sert. Et troisièmement, je vais refaire le chemin en off jusqu'à la salle de sauvegarde et je vais l'utiliser. Voilà, ça fait pas mal de raisons qui fait que je préfère faire une coupure dans la capture. Et on se retrouvera juste devant le boss, manifestement, ou à la salle de sauvegarde. Allez, à de suite. Bon, ça y est, nous revoilà. On est à la salle juste avant le boss. Heureusement, il y a une boule de foudre. C'est mieux de tuer tous les ennemis et de le ramasser à la fin, quand on les a tous tués. J'ai été ramasser le saphir en haut à gauche, tout ça. Tant, moi je l'ai ramassé au début, hein, de la boule de foudre, mais je me suis pas fait toucher. J'ai juste perdu 10 points de vie avec des ennemis de merde. J'avais traversé la salle avec les pics, là. Normalement, on y passe en automne. J'y suis allé en hiver et j'ai tué un nouvel ennemi. Un espèce d'oiseau là qu'on voyait que quand on y entrait, on le voyait à gauche là, il nous empêchait de passer. Et c'est pour ça que j'ai préféré passer quand on était en automne, avec l'eau, les plantes, tout ça. Et je l'ai tué cette fois, puisque je suis arrivé de en haut à gauche. Et j'ai traversé cette salle en... Et j'ai vu que cette salle là où on est maintenant, on pouvait aussi y accéder quand c'est en hiver. Donc j'ai pas vu ce que ça donnait, je préférais y aller en automne vu qu'on connaît et tout. Mais bon, allez c'est parti, on a deux avantages. On est full cœur, et on a déjà le truc de foudre sur tout ça. Donc là, et on connaît le boss cette fois. Donc, mais 5000 points de vie, et il faut attendre qu'il ouvre. Ouais, maintenant! Ah putain, on a déjà perdu le truc, et je l'ai même pas touché, oh là là. Fiasco. Par contre, 256 points de dégâts, hein, la hache. Mais putain! La croix plutôt. Chier là. Ouais, ça c'est de la merde. Putain, on a fait que de la merde, oh là là. Mais c'est pas grave, j'ai sauvegardé. Oh là là, mais il l'a refermé trop vite, là. Oh. Alors, il va faire quoi, là? Oh, ça, c'est de la bouse. Ah, mais le but, c'est quand même de le toucher. Parce que 4500, c'est un truc d'endurance. Prends ça. Mais qu'est-ce que c'est? Putain, mais ça, c'est vraiment chiant, oh là là. Grosse merde, bordel. Et c'est effectivement la tête chercheuse. Mais le plus chiant, c'est comment veux-tu savoir... Il m'a touché, là? À quel moment... Oh putain, 500 points de dégâts! C'est énorme, il est à la moitié. Comment veux-tu savoir... Ah merde, non, c'est moi qui me prends des dégâts périodiques avec le poison. Oui, j'ai acheté le sac et tout. Comment veux-tu savoir à quel moment il va faire ces trucs, là? C'est quoi l'indication? Merde! Ça fait des dégâts de merde en plus. Hein. Ça, on n'a pas le temps de le toucher. Voilà, maintenant il va faire ses pics, c'est ça? Voilà, c'est ça. Hein. Il répète toujours les attaques dans le même ordre. Hein. Il y en a 4. Oh putain, 5 là! Peut-être qu'il y en a plus en plus il perd des points de vie. Apparemment, il répète. Ouais, c'est ça. Il répète toujours ses attaques dans un ordre. Ça va, c'est simple. Ah putain, il me nargue là. M'incite à balancer mes croix là, et dès que je la lance, il referme la bouche, c'est ça? Ouais, ça, c'est la seule attaque où il ouvre pas la bouche. Allez, Jackie. Allez, putain! Putain, mais il est mal placé là! Oh! Saloperie. Putain, plus que 45 croix déjà. Voilà, là, je l'ai bien niqué, je l'ai touché deux fois. Et c'est le coup à 500, c'est énorme. Encore quelques coups. Et c'est bon. Allez! Mais putain, ah merde. Aïe, 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 aïe. On va peut-être se faire tuer. Mais je le touche une fois et c'est bon. Et merde. Yes! Oh putain. Est-ce que ça va nous guérir du poison? La fiole de vie, là. Ouah, ouf, j'ai cru qu'il avait pas abandonné ce connard. Ouais, bien. Ça va pas guérir, hein, mais on a passé la barre des 500. On est à 510. Oh putain! Wow. J'ai cru que ça allait pas s'ouvrir ce truc. Et ben voilà, un boss de plus. Mais putain, une porte rouge. Une nouvelle zone. Oh mais putain, pas d'upgrade. Jardin. Putain, mais ça c'est trop con, bordel. Oh là là. Ouais, nouvelle zone. Et ça va peut-être nous permettre d'accéder vers le bas là. Putain, mais je suis trop déçu là. Oh. Je suis déçu et choqué là. Pas d'upgrade. Je vais aller sauvegarder. On sait pas ce qui nous attend à droite. Et on a perdu pas mal de cœur quand même avec ces conneries. Oula, c'est normal qu'il soit là, lui. Hein? Mais ça a changé, là, les ennemis.
Qu'est-ce que... Peut-être que la zone a changé maintenant qu'on a tué le boss et que c'est lui qui faisait pleuvoir. Mais est-ce qu'on les a déjà rencontrés, eux, dans ce jeu-là? Parce qu'ils étaient dans le... Dans le 1, on s'en souvient. Mais y a plus de bulles. Regardez, les ennemis, c'était pas comme ça avant. Ouah, mais c'est trop con. Et si je les ai pas tués, que je veux les farm, que je veux les rajouter dans le bestiaire et tout, là. Oh, mais des chauves-souris, maintenant. Donc, vous voyez, l'hiver, c'est fini, hein. Les bulles d'eau, tout ça, les plantes, on peut leur dire adieu, hein. Putain, mais c'est con, sérieux. Putain, il a encore avancé tout seul. Putain, mais... Oh, relou, ce truc. On est à 510. Voilà, je sais pas si ça a modifié quelque chose. Mais apparemment, ce sera toujours comme ça ici. Le temps ne change plus. C'est un petit peu bizarre, mais bon. Oh là là. Allez, ramène-toi. Là, c'est encore plus chiant, du coup. Je sens que ça va me faire chier, hein, ces directions qui bug, là. Allez, c'est parti. Ouais, c'est dommage, ça, franchement. Si je veux avoir accès aux autres ennemis, là, je fais quoi? Bon. Oh là là. Ils nous mettent en weekend. Pfiou. C'est vraiment l'altération la plus chiante, hein, je trouve. Et celle qui est, dont on aura été le plus touché, je pense. Putain, mais c'est fou, là, les dégâts. Comment ça se fait? Comment ça se fait, ça? Allez. On y va. Je vais... On va explorer le jardin, c'est parti. C'est encore un boss pour rien, hein, on serait tenté de dire. Voilà, merci. Alors, faut voir la musique. Je vous montre un petit peu. Je connais pas, hein, je crois. Oh putain, encore un saut de la foi, là. Je vais pas pouvoir remonter. Bah ouais, regardez. Donc il y a un quadruple saut ou quoi, là? On s'en fout de l'argent, hein, on a quasiment plus besoin, je pense. Un saut à l'aveugle. Oh putain, pas eux. Là, on se fait déjà assaillir dès le début. Je sais pas s'il faut aller à gauche ou à droite, mais bon. Mais qu'est-ce que c'est, ça, bordel de cul, là? C'est quoi cet ennemi de merde, putain? Je pouvais plus sortir. Il vous emprisonne ou quoi, là? Putain, heureusement qu'on a été sauvegardés. Continuez. Putain, ça, je déteste ça, là. À peine arrivé, on se fait assaillir de toutes parts, là. Et non pas de saillie. Lieutenant de saillir, signal d'approche. On récupère un petit peu de cœur, ça fait toujours plaisir. Bon, je pense qu'il vaut mieux aller à droite, hein. Mais maintenant qu'on sait que cet ennemi de merde apparaît, on va... On peut aller à gauche, mais on peut essayer putain, ils ont une bonne défense. Enfin non, c'est pas ça, mais ils ont beaucoup de points de vie, surtout. Allez, c'est parti. Plus ça va aller, plus on va rencontrer des ennemis de ouf, hein, de toute façon. Qu'est-ce que je voulais... Tiens, mais trois fois, même avec ce truc, là, ça sert à rien, sérieux. On passe de 140 à 160 points de vie avec ça, là. Ça sert à rien, ce truc de merde. Non, je crois qu'on l'avait déjà, le truc éclair. Donc, en fait, on leur fait 160. Eh ben, ils ont... Je sais pas. Dégage-moi ce truc. Le boîtier pour le volume, encore une fois. Du casque. Bon, c'est un petit peu bizarre, hein, cette zone. Il y a trop d'ennemis. Et ça se trouve, à droite, il y a encore un ennemi avec une cage. Allez. Ah non, il y a eux, là. Ouf. Ça va. Ah, c'est bon. C'est plus accueillant à droite, hein. Il n'y a pas les condors et tout. Fort condor. Comme dans FF7, hein, si vous vous souvenez plus. De reculer ta truc, là. En plus, eux, j'ai cru remarquer qu'il en... C'est quoi ce truc en haut, là? Oh, une armure vivante. Une armure à hache. Voir comment il lance ces trucs, là. Waouh, putain, la vitesse. Waouh. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la tête chercheuse. Et attends, c'est nouveau, ça. Normalement, c'est droit, hein, les lignes... Bonne chance, hein, pour le toucher. Ah, oh, putain. C'est pas ce que je voulais, hein, c'est... Il s'est passé des bad triples, hein. Ah si. Ah si, c'est ça, hein. J'ai cru remarquer que lui, il nous... La hauteur à laquelle il nous lance ses os... Parce que, normalement, ses os...
Parce que normalement, pas celui-là, mais quand il va tout droit, là. Ça, là. Normalement, on peut les dévier, les détruire, quand on est à la même hauteur que lui. Et en fait, elle nous passe légèrement au-dessus ou en dessous. Je sais pas. Putain, mais oh! C'est trop rapide, là, cette cadence de tir de merde, là. Allez, encore une croix. Ah, ne pas hésiter à utiliser ses armes secondaires, hein, comme d'habitude. Pourri. J'essaye de regarder, voir s'il n'y a pas des indications pour les murs destructibles. Putain, j'ai failli me cogner et ramasser ce truc. Hein. Dégage! Allez, on y va. Fou. Voilà. Voilà, splendide. Je sais pas comment j'ai fait pour atterrir là-dessus, mais bon. Je me demande vraiment ce qu'il y avait à gauche, hein, comme d'habitude. Oh! Il y a au moins 3 skins différents. Et 2 filles, là, faut croire. Quoique, ça va rien dire, ils avaient tous des perruques à l'époque. Bon. Oh putain, mais c'est pas possible, encore une nouvelle zone! Mais j'ai à peine... Putain, mais c'est n'importe quoi, franchement. Trianon? Triathlon, plutôt, non? C'est quoi, ça? Trianon. Désolé, j'ai une culture de merde, donc... Bon, bah, on n'y sera pas resté longtemps. Hein. Bas ou haut? Parce que bah, haut, je peux revenir, mais pas le haut. Oh putain, c'était eux, les formes de ouf, là. Waouh! Oh putain, il m'a touché, bien joué. Ça va, ça fait pas trop de dégâts. Et on se fait tellement... Oh putain, encore eux, là? Les taupes! Comme dans le premier Lecard, mais cette fois-ci, je peux les toucher. Et ils étaient pas comme ça, ils étaient gris. Ils étaient tout petits. Putain, encore une autre arme! Une lance, tu vois. Oh, mais bande de connards, la donnez pas deux fois, putain! C'est n'importe quoi, là! On l'avait déjà eu! Dans le terrain comme ça, là. C'est n'importe quoi, franchement. Eh, one shot. Attention! Oh putain, mais il fait chier à se reculer. Je peux pas l'enchaîner. Wow! C'est très bizarre, hein, cet endroit. Le Trianon. Ah merde! Priorité à lui. Oh putain, mais ils font chier à... pas crever en plus de deux fois. Est-ce que c'est l'eau? Putain, je peux pas passer ici. Ça réduit le champ de possibilités, mais il y a tellement de trucs à se rappeler. C'est horrible. Est-ce que c'est en rapport avec trois trucs? Parce que triathlon, c'est trois épreuves. Oh, c'est quoi ça? Tricéphale, ça veut dire... et bicéphale, ça veut dire trois têtes. Alors, est-ce que... c'est quoi ce truc-là? Ah, c'est ça! Que la statue, elle tient! Voilà, le truc de la vérité. Elle parlait de vérité, la statue. On peut revenir en arrière et on va pouvoir mettre l'objet dans la main de la statue. Oh non, mais il traverse les murs, ce con! Vite! Je pensais pas qu'il pourrait m'atteindre d'en bas, l'autre connard, là. Bon, bah écoutez, c'est déjà ça. Mais j'ai envie de retourner de faire deux trucs. Là, ce qui m'énerve, c'est l'absence de point de sauvegarde. Voilà, d'aller là-dedans, dans un premier temps, et ensuite revenir au jardin et aller à gauche, où il y avait la fille avec la cage, là. Voir. Ouais, si, c'est bon, je peux remonter. Cette corde-là, elle sert à rien, hein. T'es conscient? C'est quoi, ça? Le petit théâtre de Darzinski! Spectacle de marionnettes, durée du spectacle, 150! Bah, et donc, on n'a pas 150 ans devant nous, hein, désolé. Bon, je vais d'abord aller ici. Ah, voilà, splendide. Tant mieux. C'est peut-être un boss, hein, vous savez quoi? Mais on en avait déjà entendu parler de lui, non? D'abord, je vais en bas. Oh, niveau 4, Von Wildheim. Voilà. Alors, faut voir, c'est quoi le nom? Et la consommation de cœur? 50. Lisez, énorme. Life recover, et voilà. Cette fois-ci, je suis sûr que c'est un soin, va te faire foutre. Hein. Donc, Lisez, c'était la fille qu'on affrontait, là, avec ses roses. Elle faisait apparaître des cœurs, il fallait détruire les cœurs violets, là. Je l'ai affronté aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, probable qu'il y aura un cinquième niveau, hein, parce que de toute façon, il y avait cinq membres de la famille Von Wildheim. Peut-être s'il y a Katharina aussi. Katharina! Et si ça rate? Et non pas la rate. Je connais pas cet ennemi en bas. Hein.
C'est une araignée et un squelette. Ça, c'est bizarre qu'elle soit rose, celle-là, là. Ouf. Bon, ça va être chaud. Est-ce que c'est la même qu'il y avait à l'église, là? Bon, comment je vais me farcir cet ennemi, là? Putain. Ouais, peut-être comme ça, hein, vous savez quoi? Ah, faut avoir un bon timing. Il est pas pressé, hein? Ça, c'est Monsieur Rothschild, hein, faut... Oh, putain, merde! Faut attendre que Monsieur se décide. Si Monsieur veut bien se donner la peine! Affirme à Edouard, conduisez prudemment, n'est-ce pas? Donc tout ça, c'est le corneau. Allez. Bon, ça va. Mais putain, mais il... Trop rapide, là. Allez, bien joué. Parce que franchement, je vois pas de meilleur moyen pour le tuer. Oh bien, l'antidote. L'antidote! Comment il s'appelait dans Lao Tse dans Indiana Jones. Et putain, je crois que c'est mon préféré, hein, le Temple Maudit, sur les trois films. Allez. Ce qui est énorme avec les trois films Indiana Jones en français, c'est qu'il a jamais le même doubleur. Hein. Il y en a un, c'est la voix de Tommy Lee Jones. Il y en a un, c'est la voix de... C'est Francis Lax, donc le Temple Maudit. La voix de Looping dans Agence Touriste, Schtroumpf maladroit, tout ça. Il a fait plein de trucs, hein, c'est un monstre du doublage. Il a joué dans Edgar de la Cambriole aussi, il me semble. Oh, énorme! Le troisième, on avait oublié ça, hein! C'est deux trucs pour le prix d'un, on serait tenté de dire. Donc il en reste plus qu'un, celui du haut. Et l'autre, bah, c'est la voix de... Bah, c'est Richard Darbois, ouais, il me semble. Dans La Dernière Croisade, normalement. Alors la mauvaise nouvelle du jour, c'est qu'il faut se refarcir les araignées. Voilà, eux, là. Est-ce que c'est plus facile ou moins facile en venant du bas ou du haut? Et la bonne nouvelle du jour, c'est qu'on n'a plus du tout besoin de revenir ici. Plus jamais, hein, y a pas... Vite! Ah, prends ça! Waouh! Ça va être chaud, hein, de ne pas se faire mettre en poison. Je l'ai tué avec le... Ah, il est plus loin que d'habitude, celui-là, là. Ah, bah apparemment c'est plus facile quand on vient de... Prends ça. Quand on vient du haut. Ce serait con de se faire toucher par celui-là. Oh putain, ça a failli nous arriver. Je sais pas comment j'ai esquivé ça, mais bon. Allez, 28 minutes, c'est bon. On a eu raison de venir ici avant de repartir. Hein. Maintenant, ce que je vais faire, c'est le théâtre. Voilà. Et le chemin qui était à gauche du jardin. Avec la fille avec la cage, là. On va essayer de la tuer, déjà, et de l'esquiver, et de continuer vers la gauche, voir ce qu'il y avait. Oula. Bah c'est normal, hein, ça dure 100 ans. Pas intéressé, regardez le spectacle. On va voir si je peux aller à droite, d'abord. C'est bizarre, quand même. Allez. Il s'est assis. C'est énorme. Voilà pourquoi il y avait une chaise vide. Oh non, pas eux. C'était des ennemis dans le... Le premier, le card. Oula, ça bug ton truc, là. Et c'est en accéléré parce qu'on n'a pas 150 ans devant nous, c'est... Oh, quoi? On est mort? Bien joué. Bravo. Là, je crois savoir. Alors, soit c'est un putain de troll, comme souvent, hein, ce sera pas la première fois, soit il faut un objet qui permet de manipuler le temps. Il y en a souvent, hein, dans les Castlevania. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'il n'y a pas l'item spécial de la montre, hein, le chronomètre. Ce qui permet de ralentir le temps. Peut-être qu'elle y est, mais en tant que relique. Qui nous permettra de faire en sorte que le temps passe moins vite pour nous. Enfin, je sais pas, c'est un truc... L'avantage, c'est que c'est rapide, hein, pour revenir. Soit c'est ça, soit c'est un troll et il n'y a rien à faire ici, ou alors... Une relique qui nous protégera des effets du temps, je sais pas. Putain, elle va me faire chier. Dégage, saloperie. Regardez lui. Voilà, là j'ai pu détruire son os. Et ceux qui ont des cornes, apparemment... putain, mais trois coups, ça lui a pas suffi. Apparemment, c'est un petit peu plus bas. Donc on ne peut pas le détruire comme ça. Même comme ça. Enfin, je sais pas, faudra essayer. Vérifier, voir si j'ai raison avec lui, là. Oh non, mais pas eux. Regardez, il est plus bas, là. C'est sûr. Ah!
Ah, putain, putain, mais fait chier lui là. Ça va être chiant hein, avec les goélands qui reviennent à l'infini. Alors, où est-ce qu'elle pop l'autre? De toute façon, je peux pas remonter là, je suis obligé de passer par là. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, vite! Allez, je détruis la cage! Putain, mais qu'est-ce que. Oh merde! Vite avant que eux viennent m'emporter! Ils viennent me chercher, ces enculés! Oh putain, bien joué! Waouh! J'avais pas vu ça la première fois. Ben oui, je peux pas remonter, donc j'ai pas le choix, faut aller à gauche. On a encore lui. Vite, Bourinos. Putain, c'est quoi qui faisait un point de dégâts, là? C'est lui. Donc là, faut trouver un chemin pour remonter, y a pas le choix. Song. Ouais, Song 3. Et il y a deux chemins. Qu'est-ce que je fais? Je vais à gauche ou en bas? Point de sauvegarde à gauche. Ouais, il est parfaitement aligné, hein, l'ange de droite. Ah, ça va me faire revenir. Ouais, mais je suis trop curieux. Non, c'est pas possible qu'il y ait un point de sauvegarde à gauche. Parce que c'est... Il y en a un autre... Ouais, putain, fichier, c'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que ça, là, encore? C'est quoi, ce bruit? J'entends des tam-tams. Oh, bien, une upgrade de cœur. Ah, ouf! Pour une fois, c'était pas un putain de troll. Et on est à 100 cœurs. T'es sûr que c'est plus 10 d'habitude? Ouais, je crois. Hein. Parce que 100 pile poil, ça aurait pu être le maximum. Hein. Et ça se trouve peut-être que c'est le maximum. Je sais pas, mais on a eu raison de venir ici en premier. Allez, on redescend. La musique se coupe. Eh, merci pour les height recovery. De l'eau! Ok. J'ai pas confiance, mais bon. Encore un height recovery, bah, non. Voilà, et ça repop pas, hein, les objets. C'est quoi, là? Hôtel et jardin. Et là, on va pouvoir revenir. Mais là, on est complètement ailleurs. Hein. Oh, bien, la song! Encore. On les a toutes, hein, je crois. Je sais pas, et je peux pas le vérifier, vu que... Mais je sais toujours pas quoi ça sert, hein. C'est n'importe quoi. Ah, il y a un truc que je voulais essayer, j'y avais pensé. Select. Relique. Et... Oh, putain, quand même. Oh, putain, il en manque pas mal, quand même, encore. Et voilà, je clique... Sur la boîte à musique. Là, là, touche validée. Oh putain, c'est ça. Bien joué. Don't wait until night. Bon, en fait, c'est un menu de jukebox. Jukebox. Et effectivement, on a les 6 premières, mais il y en a encore 4 autres. Ça va jusqu'à 10. Et c'est juste pour écouter de la musique. Alors, est-ce que ça marche quand on est in-game ou est-ce que c'est juste un sound test? Faut voir Art of Fire, parce qu'elle n'y est pas hein, dans le card 2. Hein? Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Mais c'est à chier! Enfin, remarque, c'est une boîte à musique, hein, effectivement. Mais non, mais putain, mais moi, je voulais un truc qui bouge, là, du rock'n'roll et tout. C'est quoi, Renon? Renon Stem? Mais non, mais c'est à chier, le... C'est tout lent! Voir. Oh, putain, mais qu'est-ce que c'est que ça, mais... On reconnaît même pas les thèmes. Faut voir si ça me poursuit, là. Oui, non. Non. C'est juste dans le menu. Ça, parce que parfois, dans les Castlevania sur DS, GBA, tout ça, on peut ramasser des je crois que c'était dans Portrait of Ruin, je sais plus. Il y avait des CD. Où, en fait, ça te permettait... Tu les activais dans le menu, comme ça, là. Et quand tu revenais ici, et ben ça continuait. Mais là, franchement, c'est doublement pourri, hein, j'ai envie de dire. Non, oh, c'est naze, franchement. Bon, mais vous voyez, une relique qui sert à rien. C'est évident que c'est pas pour le scénario ni rien. Voilà, on va pouvoir sauvegarder. Et donc, ce que je vais faire, ce que je vais couper, je pense. On va lui couper l'herbe sous le pied. Et, enfin, moi, je trouve pas ça génial. Faudrait que je réécoute en off tout ça, mais... Peut-être qu'il y a un truc spécial qui se passe quand on a les 10... Lady machin. Donc là, et non pas Lady Gaga. Ce qui va se passer, c'est que là, je vais couper dans la vidéo. Je vais faire tout le chemin en off jusqu'à la statue qui se trouve. Ah, mais en fait, c'est tout prêt, j'ai pas besoin de couper. Je monte, parce que c'est à côté du truc, là. Voilà. Je vais faire le chemin en off.
Mais c'est pas nécessaire, hein. Il y a un point de voilà, téléportation juste ici. Et c'est, on avait dit... L'hôtel? Non. Bah c'est là où on était, Jackie. Jardin du mort. Voilà, c'est ça. Et la statue est juste là. Juste à droite, là. Je passe cet écrin. Et voilà, voilà la statue. Et vous avez utilisé la coupe of truth. Oh non, il y en a un deuxième. Oula, qu'est-ce que c'est? Ça m'a téléporté dans un endroit de ouf. On est où, là? Ouais, c'est bon, je peux revenir. Je m'y attendais pas. Hein. Et il y a un chiffre romain 1. Regardez, là, dans la statue. Je sais pas si ça a son importance. C'est comme si on avait passé une porte. Ah, ok, on est là. Ça a, ok, bah voilà l'explication. Ça a rajouté des flèches oranges et maintenant je suis... J'en ai un petit aperçu. Ah mais attends, c'est fermé là. La porte est en bas à gauche. Non mais... Mais c'est parfaitement fermé cette salle. Y a pas de sortie. Non, et c'est pas une porte hein, en bas à gauche. Ah! Pas grave, il nous fait 5 de dégâts, c'est rien du tout. C'est con qu'il n'y ait pas de mur destructible pour vérifier le truc, là. Bon, c'est bizarre, cet endroit. Hein. Ça, c'est pas grave. Hein. Ils peuvent en mettre 10 d'affilée s'ils veulent. À partir du moment où tu peux les tuer, c'est pas un problème. 3? 2? Oh non, un labyrinthe! Oh putain! Ah ok, d'accord. Le 3 va m'amener ailleurs, et le 2 va amener à un autre endroit différent du 3, tout ça, donc... Oh putain! Allez, on commence par le 3. Non, je vais les faire dans l'ordre. Oula! Life! Comment ça, se marquer Life, là. Eh, il y a encore une crêpe, hein, mais elle est violette, celle-là. Hein. Les autres étaient orange. Voir la map. Ouais. Pourquoi pas. Donc ça va être que des salles fermées, avec des labyrinthes, des putains de... C'est quoi ce truc à gauche, là? C'est Slogra, hein. Ouais. J'attends que ce truc disparaisse. Putain, il y en a 3! Mais il vient pas, il est chiant! Putain, la saleté de voler. Maintenant, celui de là-bas. Là. Allez, dépêche-toi, Bourrinos! Eh, 20 points de dégâts! Oui, mais on s'en branle de ça. Je crois que ça fait 2 fois qu'il nous loot ça. Alors. Tombez de là, s'il vous plaît. Two shot ou three shot. Voilà, three shot, apparemment. 4 et 5. On avait dit qu'on les faisait dans l'ordre. Hein, et vu qu'on peut revenir en arrière, je vais prendre celui-là. Plus que 20 minutes. Alors, ah, un truc à lire! Dans l'enfer, la mort peut être invisible. Ça veut dire qu'il y a des mobs invisibles, c'est ça? Putain, si c'est seulement maintenant que ça nous sert, le masque... C'est quoi, ça? Hein? J'ai pu attaquer la tombe, mais une seule fois! Putain, c'est pas bien de profaner les tombes. Putain, je le sens pas, là. Putain, mais qu'est-ce que... Oh, merde, il y a un barbute. Il y a un casque. Casque de Neptune, hein, jugé par l'icône, là. Non. Oh, putain, il faut les frapper dans un certain ordre, hein, je pense. Les tombes. Pour faire s'ouvrir la porte. Mais comment veux-tu le savoir? Ah! La croix est le vrai. Arrêtez-vous juste avant le sang. Il s'éleva vers le ciel. Bon, oh putain. La quatrième après... Oh là là. Le temps passe et simplement reste des ruines. Parfois la vie se développe après la mort. Oui, donc c'est la liane. Je crois avoir compris. Le temps passe et simplement reste des ruines. Donc ça, c'est celle qui est cassée. Et parfois la vie se développe après la mort. C'est celle-là, là. C'est la 1. C'est l'herbe. L'inverse du vrai ferme la marche. Donc c'est le dernier. Donc il y en a 7. 1, 2, 3. Tiens, elles ont repop. Pourtant, je suis pas sorti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, pourquoi celle-là, c'est une double tombe et la croix est inversée? Ça c'est le sang. Ça, c'est une normale. Ça, c'est la ruine. Ça, c'est un monolithe.
Et ça, c'est une. Ça, c'est le vrai. C'est lui le vrai. C'est le deuxième. Et ça, c'est la vie. Voilà, la croix est le vrai. Ok, c'est plus simple que ce que je pensais. Pourquoi arrêtez-vous juste avant le sang? C'est pas ça. C'est le sang, c'est le deuxième. Ça va être dur hein, de se rappeler de tout ça. Il s'éleva vers eux le ciel, donc c'est le monolithe. Alors attendez. Croix, sang, monolithe. Ça par contre, je sais pas. Hein. La quatrième après le vrai. Attendez. 1, 2, 3. Bah non! Bah non, la quatrième après le vrai, c'est celle-là. Ou alors celle-là, parce que celle-là, elle n'a rien de spécial. La quatrième après le vrai. En comptant la croix. Ça fait 1, 2, 3, 4. Bon, on va gager que c'est ça. Hein. Parce que parfois la vie, le temps passe et simplement reste des ruines. L'inverse du vrai en dernier. Donc, on va essayer de... Oui, c'est logique. Hein, parce que sinon, je ne vois pas ce que ça peut être. Hein. Alors, donc, celle-là, c'est la... Alors, 1, c'est la croix. 2, 100. Putain, il faudrait que je le marque. Mais je peux pas quitter ni rien, là. C'est naze, putain. Ah, vous savez quoi? On va faire un truc. Que j'y ai pensé, je crois même que j'en ai parlé dans une partie précédente de l'épreuve. Retour aux bonnes vieilles méthodes. Voilà, fuck l'informatique, un petit peu comme avec le téléphone portable tout à l'heure, là on pourrait prendre le bloc-notes, je pense, du téléphone portable. Je vais aller chercher un post-it et un stylo. Voilà, je suis à vous dans 10 secondes, et on va le marquer. Franchement, c'est une vraie odyssée. Hein. Rarement une vidéo m'aura obligé à faire autant de trucs. Hein. Il m'aura autant fait galérer, mais dans un style différent de Le Quart de Deux. C'est pas vraiment infaisable, c'est pas vraiment super dur comme le premier. Parce que les boss et tout, c'était horrible. Il hein. Fallait refaire un nombre incalculable de fois. Là, on s'en sort. On est même très puissant et on galère pas du tout. On limite, j'ai l'impression qu'on est en mode facile. Alors, le numéro 1, c'est la croix. Donc c'est. Et je vais marquer entre parenthèses deuxième tombe. Alors, j'ai une écriture de merde, hein, et je. En plus, le support là, et le bureau qui grince, chaque fois que j'écris. Alors, deuxième. Moi, j'ai marqué deuxième touche! Je suis un bon, moi. Deuxième tombe, parce que je parle en même temps. Alors, le 2, c'est le 100. Donc, c'est l'avant-dernière. Hein. Avant. Quoique, j'en suis pas sûr, je vais vérifier quand même. Pêche-toi, Jackie. Putain, tout ça pour un simple truc. Ouais, c'est ça. Hein. Avant-dernière tombe. Fichier ce bureau à grincer là. Alors le 3, c'est quoi? Ça prend un peu de temps, hein, je m'en excuse. Et rien ne dit que c'est ça. Hein. Alors ça c'est le monolithe, donc c'est le troisième. Ça, il n'y a pas besoin de le marquer. Monolithe. Et non pas monolithe production. Alors le 4, c'est le vrai. Donc c'est la tombe avec la croix, donc c'est la deuxième. J'ai juste marqué tombe croix et non pas tombe roche. Non, c'est la deuxième. Putain, j'ai marqué quatrième. Ça ressemble pas à grand-chose, hein, mon truc. 5. Le temps passe, c'est simple. Donc c'est celle-là, hein, c'est la première. Tombe plante. Entre parenthèses, première. Je vais encore tâcher, mettre ma main dessus et tâcher, faire des traces d'encre partout. Bah, ils l'ont. La vie se développe. Non, merde, je me suis trompé. Tombe plante, c'est la 6. Je vais faire une flèche. Voilà, ici. Et donc. Voilà. Je vais faire une double flèche hein, pour comprendre. Alors, le temps passe et simplement reste des ruines. Ben, c'est celle qui est détruite, c'est la quatrième. Voilà. Tombe. Détruite. J'ai fait une guillemets, hein. C'est ma mère qui m'a appris ça, pour marquer que c'est le même mot que pour tombe. Vu que j'avais déjà marqué tombe en haut, quand tu reviens à la ligne, tu fais une guillemets, deux traits comme ça, là, verticaux, et non pas vertigo. Et c'est pour marquer tombe rapidement, quoi. Alors, le 7, c'est quoi? L'inverse du vrai, donc c'est la dernière. Dernière croix inversée. Parenthèse, croix inversée.
Allez, j'écris à la porte pour finir, et c'est bon. Alors, oui, ben on va sortir, et on va revenir pour Rosette les tombes. Je pense que ça va être un casque de ouf, hein. Mais jusqu'à présent, seules les armures donnaient de la... Seul le pénitent pourra le passer. Vu qu'on parlait d'Indiana Jones tout à l'heure, seules les armures donnaient de l'arme... les armures de corps... Les plastrons, tout ça, ça donnait de la valeur d'armure. Donc peut-être que là, ça fera pareil, on ne sait pas. Alors, croix. Voilà, la croix. Donc la deuxième, en premier. Prends ça. Faut se baisser hein, pour les toucher. Alors ensuite, le 100. La numéro 100. Ensuite, le 3, monolithe, ici. Ensuite, le 4. Bien faire attention qu'il y ait bien l'impact. Hein. Tombe croix, la deuxième. Ah, mais non, c'est pas celle-là! Mais qu'est-ce que j'ai foutu encore? Oh là là! C'est celle-là, je pense. 4. Pourquoi? J'en ai déduit que le 1 et le 4, c'était la croix. Ensuite, la 5, donc la plante. Parce que c'est le vrai, la croix. À moins que ce soit celui-là. Hein. Non, parce que c'est l'inverse du vrai. Ensuite. Oh putain, c'était l'inverse. J'ai même pas vu les doubles flèches. Bon, je relis ça là. Hein, c'est la croix. La 4. La quatrième après le vrai. Voilà. Parce que j'ai vu le mot vrai et dans ma tête, donc c'est pas ça. Hein. Attendez. Tombe sans croix. Voilà, je barre ça. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, c'est la bonne. Alors, numéro 1, la croix. Voilà, le vrai. Numéro 2, le sang. Ensuite, le monolithe. Ensuite, la tombe sans croix. Ensuite, là, double flèche, attention. Tombe détruite. Et ensuite, tombe plante. Et la dernière, c'est l'inverse de la croix. C'est ça? Putain, mais non, c'est pas ça! Mais t'es pas sérieux, là! Mais si, putain, c'est bien ça! Je lis ça. C'est bon là. Ça devrait s'ouvrir. Hein. C'est bizarre que. Comment ça se fait? Parce que tout à l'heure, on avait vu que. Je fais ça. Eh ben non, c'était pas ça. Oh putain! Mais pourtant, si, bordel! La croix est le vrai! Arrêtez-vous juste avant le sang. Il s'éleva vers le ciel. La quatrième après le vrai. Mais on peut pas les frapper plusieurs fois, hein, les tombes. On peut les frapper qu'une fois. La quatrième après le vrai. Donc c'est la sans croix. Ensuite le 5. Le temps passe et simplement reste des ruines. Donc c'est la tombe détruite. C'est la plante en sixième. Et c'est le... Bon, on retente. Hein. Ce qui m'étonne, c'est les phrases du genre arrêtez-vous avant le sang. Ça veut pas dire de frapper le sang. Bon. Pff! Alors, la croix, le vrai. Le 2, arrêtez-vous avant le sang. Ensuite, monolithe, il s'élève vers le ciel. Ensuite, la tombe sans croix. Je sais plus c'est quoi la dénomination, mais bon. 5, c'est la plante. Non, c'est la détruite. Ensuite, la plante. Et l'inverse du vrai ferme la marche. Putain! Mais c'est pas possible que ce soit autre chose! Arrêtez-vous avant le sang. On n'est pas assez rapide ou quoi là? Il s'éleva vers le ciel. Mais non, mais c'est forcément ça, putain! On perd du temps avec des conneries, c'est hallucinant. La croix est le vrai. Arrêtez-vous juste avant le sang. Il s'éleva vers le ciel. C'est pas l'ordre ça là? S'éleva vers le ciel, la quatrième après le vrai. Le temps passe et simplement restent les ruines, parfois la vie. Non mais c'est ça, c'est obligé, putain! C'est n'importe quoi là! Ruines. Bon, je vais tenter un truc. Alors, la croix. Le vrai. Alors, le sang. Deuxième. On va inverser les deux, la double flèche. 100 avant-dernière. Ensuite, il va vers le ciel. Ensuite, tombe
tombe sans croix, celle-là. Ensuite, d'habitude, ce que je fais, c'est celle-là en premier, et après les plantes. On va faire l'inverse. Plantes détruites. Et c'est tout, là? Celle-là? Attends, j'avais cru entendre un bruit, là. Ah, mais c'est trop con, mais c'est trop naze, sérieux. Mais qu'est-ce que ça peut être d'autre? La croix et le vrai. Arrêtez-vous juste avant le sang. Arrêtez-vous juste avant le sang. Pourquoi? Stop before blood. Il s'éleva vers le ciel. Ça, c'est important. Faut qu'on continue en plus. Hein. On n'a pas trouvé de point de sauvegarde depuis un bail et tout. On a fait plein de trucs. Il reste encore plein de statues à. Faudra s'en souvenir de ça. Hein. Mais je pense pas que je m'en souviendrai. Il s'éleva vers le ciel. Tes yeux sont bleus, plus bleus que le ciel. Le quatrième après le vrai, le temps passe et simplement reste des ruines. Non mais c'est ça, c'est obligé, putain! Qu'est-ce qui va pas? L'inverse du vrai ferme la marche. C'est peut-être cet indice, hein? C'est peut-être. Il s'éleva vers le ciel. Ça se trouve, c'est la traduction française qui est foireuse, hein? La quatrième après le vrai. Normalement, quand on dit ça, c'est pas 1, 2, 3, c'est ça. Ah! En fait, c'est celle-là, la quatrième, après le vrai. Et ça, c'est arrêtez-vous avant le sang! Ah, ok, donc il faut intervertir. La 2 et la 7. Ok, allez, on retente. Et oui! Attendez. Hop. Alors, donc. La croix, c'est le vrai. Ensuite, non, le sang avant-dernière. Donc en fait, non, c'est celle-là. Ensuite, le 3. Ensuite, tombe sans croix. Hein? Tombe sans croix. Non, c'est la 1. C'est la 2 et la 4 qu'il faut intervertir. La 7, c'est celle-là. Hein. Donc là, j'en suis au 4. Alors, la détruite. Ensuite la plante et la croix inversée. Et je pense que c'est bon. Oh putain! Yes! C'était ça. Oh putain. Neptune, Helmet. Mais quel talent! Je l'avais deviné. C'est un truc. Oh, ça nous permet de respirer sous l'eau! C'est ça? Fais voir. Permet à celui qui le porte de rester sous l'eau sans se noyer. C'est énorme. Mais pour l'instant, ça m'est pas utile. Eh ben voilà, c'est ça, c'est une relique. Même pas. Je me disais bien qu'il y avait un truc hein, pour respirer sous l'eau. Eh ben voilà, on a réussi. Je sais pas si vous avez compris ce qui s'est passé là, tout ce que j'ai dit là, mes affabulations et tout. Mais on continue. Donc là, on vient de faire le 3. Hein, donc on continue avec le 4. Oh putain, faut retuer ces ennemis de merde, ça va durer 3 plombes. Voilà, ça, on peut pas le détruire, évidemment. Mes affabulations. Parce que là, c'était un truc de ouf, hein, franchement. Pour se rappeler de tout ça, c'était pas évident. Il fallait bien comprendre que le... Arrêtez-vous avant le sang. Avant la tombe. En fait, c'était une tombe avant celle qui était ensanglantée. Bon, il y a encore au moins deux trucs. Hein. Mind-toi. Donc là, on est au 4. Donc ça, c'est celle qui va vers le haut, d'accord. J'espère qu'il n'y a pas de boss ici, hein, qu'il y a un point de sauvegarde. Peut-être c'est celle qui est à droite. J'ai envie d'y aller d'ailleurs. Celle qui se trouve en haut à droite, là, là. Putain, il n'y a pas d'ennemi. Ah, mais quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ces conneries? Oh, des mobs invisibles. Ok. Heureusement, ça m'a fait tilt. Hein. Parce que là, il n'y a aucune raison de se prendre des dégâts. Les masques de Zoé. Putain, effectivement, c'est... Ils font des dégâts monstrueux, les v'là. Ils m'ont fait des dégâts monstrueux, hein, ces connards. Ils reviennent à l'infini. Parce qu'il y avait eu les mêmes, mais voilà, ils avaient des auras. Oh putain, non, c'est pas un point de sauvegarde. J'y ai cru. Des auras. Putain! Il y a marqué Die, Hell. Voilà, donc ils parlaient de l'invisible, effectivement. Et là, ils font moins de dégâts, bizarrement.
C'est vraiment pas mal, hein, vous savez quoi? Oh putain, ça c'est pas mal du tout. Je vais attendre que Weekend se termine. Là, dis donc, c'est vachement loin. Les mobs invisibles, je pensais que ce serait largement plus... plus tôt. Oh putain, encore un autre sort d'ectoplasme. Ouille, 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 ouille. Putain. Oula, il rigole, lui. J'ai failli me faire toucher, c'était risqué hein, de faire ça. C'est quoi ça, en haut à gauche? C'est une femme déchue. Déçue, même. C'est quand tu veux, connard, hein, que tu descends. Waouh. Donc ça, c'est des ectoplasmes qui mettent en Weekend. Alors, bien joué, Recover. Prends sa saloperie. Vite! Ah ouais, on connaît ça. Hein. Les bulles de sang qui nous font des dégâts. C'était les squelettes habillés en violet, là, dans le premier Lockhart qui faisait la même chose. Oh là là, je veux un point de sauvegarde! Ok, pourquoi... Putain, mais il y a trop de trucs, là. Oh, mais c'est quoi, ça, bordel de cul? Vite! Mais c'est pas ça que je veux! Oh putain, ça va être chaud. Death! Oh non, mais comment tu veux, là? Comment tu veux cet abruti, vite? Oh, putain, je peux pas détruire ces machins! Heureusement qu'en me baissant, ça passe. Vite! Avant qu'elle m'atteigne... Putain, mais comment tu veux? Ah! Mais bordel! On va se faire tuer et il va falloir tout refaire. Oh putain! Vite! Mais je peux pas passer là! Putain, ça, cette mort-là, elle est vraiment pénalisante. Et on en est à 57 minutes? Bon ben, je vais devoir vous laisser là. Putain. Tout à refaire, absolument tout. Depuis le TP. Le puzzle, les explorations des salles 1, 2, 3... Mais cette quatrième, là, elle est vraiment chiante, hein. Presque envie de commencer par la cinquième. On était allé à droite, c'est ça? Oui, parce qu'à gauche, j'ai pas pu y aller, je sais plus trop comment. Il y a ces ectoplasmes de merde, là, qui m'empêchaient de passer. Ça se trouve, il y avait un point de sauvegarde pas loin, mais bon... C'est chaud. Heureusement qu'on a un bon stuff et tout. Hein. Putain. Bon, ben, je vous laisse là. Et je repartirai de là. Hein. Faut voir le... Parce que de toute façon, on va se laisser là. 50 cœurs. Oh, pas mal. Elle est blonde. Pas mal! Ça m'a régénéré combien, là? Ça m'a régénéré au moins 6 et 6, 12. Il y en avait 5 fois, au moins, j'ai l'impression, des 60. 6, 6, 12, 240, 300 points de vie, c'est bien, quand même. Donc voilà, ça fait plaisir. Donc, on se reprendra à la prochaine partie. Je sais pas si je le refais en off. Non, on va le refaire en vidéo. Ouais. Donc, à la prochaine pour la prochaine partie.